Amis de la société, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Chanel Paul. Chanel qui est toujours pour vous. Bonjour, information pour vous. Bonjour, nouvelles. Sans force côté, sans vous remonter. Eh bien, il y a un pile de ces cas fait actualité dans la cour pays d'Haïti. Eh bien, compatriotes, nous, dans le pays Chili, qui a un gros problème là. Eh bien, en pile, nous, à plein. Bien parce que beaucoup ka jwenn certificat bonne vie et monsieur bien que DCPJ lui-même gen droit pour le fournir yo fait connait en pile l'argent dépensé rendez-vous sous rendez-vous et tout rendez-vous ça yo payé pour yo et au même fait connait c'est en cours Haïti pa gen représentant dans pays Chili et ça qui gen passeport expiré tout bien yo tout ensemble gen 180 jours pour yo mettre yo en règle ensemble avec immigration chilienne sinon y a déporté yo vin en Haïti. L'autre information n'a bien pour porter pour là et bien gouvernement porter un démenti formel ak information qui t'a fait quoi bien yo t'a payé monsieur Granvin ak village de Dieu bien pour yo t'a observé un trait ou bien pour en pause pour kidnapping nan. Et bien l'autre information encore la République dominicaine lui-même déjà commencer construction Mulian puis passer 23 km déjà construit sous frontière là et bien c'est toute information ça avec un pilote qu'on a bien pour porter pour vous ou même qui pourquoi abonner à la chaîne là n'a pas de faire ça kounya là comme ça ou pas perdre même yon yota nan série information n'a bien pour porter pour vous. Eh bien, j'ai noté annoncé ça, tout haïtien en situation irrégulière en pays Chili au même gain seulement 180 jours pour mettre en règle. Sinon, il y a pas déporté vini dans pays. Eh bien, tout ça qui gain soit passeport même rivé nan bout yo et puis ça qui besoin fin en règle ensemble avec immigration chilienne tant qu'ou qui besoin certificat de bonne vie monsieur bien tout ensemble yo gain 180 jours pour résoudre problème ça selon ça et bien compatriotes nous Obenson Liberis qui vivent dans pays Chili fait nous connaître et critiquer en pile autorité dans DCPJ yo et bien qui pas prend ça à cœur puisque l'autre pays yo et bien l'autre nation yo et bien papier ça disponible dans moins que une à deux semaines et bien pour citoyen l'autre pays yo et bien fait qu'on est au même bien faut yo paye un premier rendez-vous yon deuxième rendez-vous et bien et papier prend en pile temps pour y arriver dans pays Chili et bien y aller plus loin pour faire qu'on est haïtien qui vivent dans Chili c'est un coup yo pas gain représentant dans pays Chili. Eh bien, ambassadeur là lui-même presque inexistant, ambassadeur Haïti dans pays Chili presque inexistant, puisque yo fait qu'on est, yo bat yo, yo touye yo, yo empoisonne yo, yo maltraite yo, yo poignarde yo, et pas gen rien qui dit yo pas gen aucun représentant dans l'État, eh bien, qui a défendu yo, ça veut dire yo la gen pour compte yo dans pays Chili, et nous connaît en pile fraction yo qui vivent Chili, c'est la vie meilleure. Yal chercher pour capable aider ti sœur ti frère madame petite yo gagné en Haïti et bien yo même tout y a yo courir tout pour insécurité pour kidnapping cap ravager pays ça fait nous lancer message là bay autorité pour prendre ça à cœur déjà yo pas ca gérer et bien haïtien cap vivre dans pays et bien pour pas ca bien goumé pour capable déporter mais plus haïtien vivre dans pays a toujours laisse la misère pire insécurité a pral augmenter puis plus toujours et bien l'autre information encore qui concernait bien pays en pile haïtien et bien immigré là-dedans c'est la République dominicaine tout lui-même selon président Luis Abinader qui était annoncé construction un muraille sous frontière qui sépare République dominicaine ensemble avec République d'Haïti eh bien construction muraille ça a déjà commencé dans zone Jimani ensemble avec Elias eh bien puis passer 23 km déjà construit l'armée américaine lui-même toute discrétion déjà eh bien construit 23 km mur ça pour empêcher selon eux-mêmes eh bien en pile haïtien irrégulier en situation irrégulière rentrer dans pays
essayer de stopper le trafic d'armes ensemble avec la drogue le plus que possible, vol machine, bétail, ensemble avec toute action contrebandier qui qu'on a faite sous frontière. Mais ce n'est pas dit ou dit, Haïtien pas qu'à rentrer en République dominicaine encore, mais il y a plus de mesures qui prend pour capable contrôler les frontières, plus de sécurité. Ça veut dire qu'on y a si au besoin rentrer en République dominicaine, eh bien, faut aller régler les papiers, faut tout papier en règle pour capable rentrer normalement. Et laisse ça tout là bon pour vous, ou pas de problème ensemble avec la police dans la République dominicaine. Vous pas dans la situation pour vous mettre en poste et puis après ça, pour vous déporter. En tout cas, faut autorité ou même yo penser sur ça bien pour en pile accès bien pour haïtien qui besoin vivre en République dominicaine yo aller un petit jan pi facile nous capable dit bien ou bientôt résoudre problème qui gain la caille nous puisque problème nous connaît premier problème qui fait en pile haïtien à courir c'est phénomène qui a développé dernier jour ça c'est insécurité c'est kidnapping puisque en pile nan yo courir à vivre l'autre bord ça c'est pour ça et gain nan yo si problème là ou bien situation ta baissé y a tourné normalement vin vivre la caillou mais gen l'autre qui victime de près ou de loin psychologiquement qui affecté et bien qui ou même ou pas décidé tourner vin vivre dans pays a encore bien fok problème ça li même li résoudre dans pays a puisque même monde qui vivre dans pays a bien c'est parce que en pile soit pour qu'on ait une opportunité qui fait pas quitter le pays. Et nous connaissons en Haïti, si vous avez un bout de visa seulement, il y a lagué pour quitter le pays. Le pays a pralé de mal en pire. De jour en jour, nous avons rentré pifon dans le trou que nous-mêmes nous y a. Eh bien, yon l'autre bon gouvernement lui-même a porté un démenti formel sous information qui t'a fait la une sous dans toute radio, toute télévision, tout réseau social côté où t'a fait quoi? Bien gouvernement t'a payé monsieur Village de Dieu ensemble avec Gravine pour être capable observer une pause dans kidnapping nan. Nous connaît après en pile pour parler en pile t'a fait bien monsieur Village de Dieu ensemble avec Gravine t'es décidé font camper et bien sous question kidnapping nan pour en pause et bien en pile monde t'a dit et bien c'est gouvernement qui t'a payé ça puisque référendum constitutionnel ça lui-même il presque arrivé li a plus que un mois quelques jours pour référendum constitutionnel là et bien vous fait connaître si ça fait très ça lui-même il fait c'est gouvernement qui paye monsieur et bien gien nan yo qui te prend et bien réseaux sociaux pour porter démenti formel là et bien selon ministre qu'il tient à communication Pradel et qu'est-ce même les poter démenti formel ak information ça comme quoi gouvernement lui-même il t'a payé monsieur pour te ka au prend en pause et bien pour référendum constitutionnel ça lui-même li capable fait et bien Pradel et qu'est-ce dit et bien menti c'est celle façon et bien monsieur qui en face pouvoir capable dire opposition en juin pour capable détruire ou bien mettre l'opprobre sous deux pouvoir et bien pour empêcher réaliser ça yo même yo envie réaliser et bien c'est ça que fait yo fait qu'on est mandé population pour collaborer ensemble pour capable résoudre problème insécurité à tout et puis rappeler et bien gang yo même que fok yo changer métier si c'est pas ça c'est deux routes qui réservées pour yo c'est soit y aller dans prison ou bien y aller dans cimetière en tout cas dossier référendum dans son dossier tout on a suivi de près pour y demander est-ce que référendum ça lui-même li toujours possible dans la cour pays d'Haïti en tout cas. Eh bien, l'autre information qui a dominé l'actualité à la Direction nationale d'eau potable et assainissement d'Ineva lui-même inauguré un réservoir qui a capacité de puisse passer 500 mètres cubes dans la commune AKR. Et information ça lui-même révélée par directeur général d'Ineva Guito Edouard lui-même qui parlait de l'autre construction que d'Ineva lui-même li a fait pour capable rendre l'eau potable lui-même les plus accessible à la population, tant qu'on puisse passer 13 nouveaux kiosques, eh bien, il y a mis plus passer 300 embranchements particuliers, il y a détruit et puis construit plus passer 120 000 mètres carrés, eh bien, voie publique là, trottoir, et puis mis, eh bien, 15, plus passer 15 poteaux incendie, eh bien, dans toute voie publique là, comme ça, même, eh bien,
pompiers pas de problème pour être capable plein réservoir machine de l'eau pour être capable à éteindre du feu. Et tout projet ça a même joindre un financement coopération espagnole là. Et bien beaucoup de parle ambassadeur royaume espagnol en Haïti Pedro Océan Sansa Serrano lui-même renouveler engagement pays l'Espagne pour continuer supporter Dinepa dans travail à faire pour capable augmenter accès de l'eau potable dans la cour pays d'Haïti. Nous connaissons l'eau, eh bien c'est un bagage qui est important en pile pour la vie du monde, mais ça fait Dinepa lui-même décider pour lui rendre accès à l'eau lui-même les plus facile. Eh bien, c'est là tout. Nous mettons en bout avec série d'informations. Merci à vous-même qui t'avez prêté nos attentions avec fidélité. Nous casser rendez-vous très prochainement pour une autre série d'informations vraiment intéressante. Et nous invitons vous à abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. Comme ça, vous ne pouvez pas perdre une série d'informations pour vous encore.